sous TV la caille encore une fois mesdames et messieurs nous content rejoindre nous dans nouvelle vidéo ça que nous porter pour là et donc nous pas parler trop mesdames et messieurs et ben jodi là il y a la police qui envahit et Canaan route nationale numéro 1 que jodi à la bandit a créé des ordres. Il y a un gros massacre qui fait bon côté bandit yo côté yo arrivé boulé en pile bus et il y a moun ki mouri et ben Abdou la police qui même pas traité dormi la police qui pas traité bois croisé et ben mesdames et messieurs yo envahi Canaan et il y a un pile bandit qui mortellement blessé selon ça nous va le faire outendé en dans vidéo ça mesdames et messieurs et ben comment la police même déterminé pour yo fini pour yo déraciner pour yo déchouquer tout bandit qui a même abay problème dans le pays d'Haïti. Commissaire Muscadet répond Wendy Fell qui traite de criminel pour un jeune garçon innocent qui pas bandit et que commissaire lui-même t'a exécuté et ben abdouke Wendy Fell qui lui-même et en tant qu'avocat ou bien en tant qu'étudiant en droit et qui lui-même t'a trouvé que c'est une action criminelle que commissaire Muscadet lui-même l'a prédé dans le pays un paquet de jeunes a assassiné pour faire quoi ces bandits et surtout jeune garçon ça selon information que Wendy dit qu'il gagne c'est pas un bandit et ben commissaire Muscadet retirer la vie jeune ça je dis à la que toute famille l'eau dans yeux nous va l'inviter ou entendre commissaire Muscadet. Gen tout ancien sénateur Andris Richer qui lui même frappé fort là sur ça qui a passé dans pays d'Haïti mesdames et messieurs nous connaissons ces jours-ci question insécurité à la vallée terrain ou international là qui lui même a frappé et bourgeois avec un sénateur député très fort parce que nèg yo impliqué dans financer gang volon dans pays là et ben international là qui a même prend gros sanction contre nèg ça et depuis quelque temps ou a gede nèg nou pa jam tande nan radio encore gede nèg ki pa jam bay conférence de presse encore le cas de Yuri La Tortue qui est même en bas sanction internationale là pour mauvais dossier mesdames et messieurs et ben en dans vidéo ça là on va faire ou connaître comment et ben la police balé ouzé donc nan Canaan en pile bandi mortellement blessé et 400 maozo jodi a là tout qui frappe fort côté nèg yo arrivé et ben pété balle sur un bus et gen chauffeur qui même prend balle et gen divers l'autre monde encore qui blessé dans attaque terroriste ça que 400 maozo lui-même li fait donc sous bus ça rete connecté bonne écoute tout le monde n'a tourner pour une prochaine et n'a dou éviter zone là bon nous invite autant de temps tout de suite. Et moi j'ai tout le monde, si nous moment soit faire zone quoi de bouquet et zone Canaan, pas essayer faire zone ça, OK? Canaan pas bon du tout que bandi cap tirer avec la police et grand pile en pile bandi qui blessé mortellement. Dans moment on a parlé là, quand pile bandi tombé et la police déterminée, il y a contre carré ensemble avec Negio, pas faire zone ça, sous pas besoin dans moment on a parlé là. Pas bon du tout. Mais forme jour j'en la police camper là pas gagne bandi caprété parce que nèg déterminé. Voilà, nous tendez audio, nous tendez et me pense nous capable reprendre. On reprend audio, la police qui a tiré avec bandi yo semble-t-il que d'après audio encore puisque nous voulons nous va une image en nous fier nous en quelque sorte hein, mais en même temps en prudent et semble-t-il que plusieurs bandits t'a déjà tombé là. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons capable nous pas confirmer pour vous. Mais simplement, les gens qui voient pour nous, c'est un monde quand même qui est assez fiable. Bon, nous invitons à retendre audio à l'occasion. Et nous voyons tout le monde, si dans le moment où on fait zone quoi de bouquet, et zone Canaan, pas essayer de faire zone ça, OK? Canaan pas bon du tout, que bandit qui a tiré avec la police, et grand pile bandit qui blessé mortellement. Dans le moment où on a parlé là, quand pile bandit tombé, et la police déterminée, il y a contre carré ensemble avec Negio. Pas faire zone ça, je pas besoin dans le moment où on a parlé là. Pas bon du tout. Mais forme jour, j'en la police campé là, pas de bandit caprété. Parce que je suis déterminé. Voilà, la police déterminée. Bravo, moi, je préfère attendre ça. Je préfère attendre ça que les nappements de force occupation. Nous disons, nous t'attendons et ancien sénateur Guy Philippe qui dit que justement la police a clamé des moyens. Bah monsieur yo moyen pour yo finir avec bandi yo bah yo moyen et puis en même temps ça fait me triste les n'ap tande commissaire Miscalin qui dit bon côté parle li pas même gagne un blindé mesdames monsieur li pas même gagne blindé donc si commissaire te gagne trois blindé même et gagne miracle qui t'a fait évidemment Salomon pour qu'on y a là et bien gagne gros confrontation avec la police puis bandi yo gagne pile zam cap tiré évidemment
Et c'est quand même bon signe. Moi-même, bien content d'entendre ça. Surtout, j'ai entendu ces bandits qui ont tombé. Et je pense que c'est très bien, frère. Blessé mortellement, pile dans le bandit. Et ça reste à vérifier une fois de plus. Oui, frère. Ça me dit bien. Et moi, j'ai un paquet qui est ouvert 24 sur 24. Commissaire Muscadet. Et opérationnel, la journée qu'on a eu. 2-3 heures du matin, 4 heures du matin dans la rue. Et nous, là, on a travaillé pour nous servir la population. Donc, à ce qui a trait avec ces messieurs, qui sont bandits, assassins, criminels, capturés commerçants, capturés diaspora, capturés élèves d'école, capturés infirmières, capturés docteurs, qui ont fait toute vie exacte en cité, mais n'y pas de comme ça. Mais tout pied matin pour me chasser avec ça. Et n'y a pas qu'à camper comme avec moi. Ils n'ont pas capable de traverser les plans, ni ils n'ont pas capable de faire baser les plans. Depuis que je suis venu clair à tout le monde, je dis ça, il y a mouru monsieur. Et je dis et me fait. Comment comprendre dans un pays où il y a l'argent pas gagné, où pas gagné l'argent pas gagné, élève l'école pas gagné, diaspora pas gagné, personne pas gagné dans le pays. Son seul monde qui a les pays, c'est le bandit, assassin, criminel. Et mais c'est là, monsieur, qu'on apprend à voir qu'il y a. Mais là, qu'est-ce qu'il y a, la flash de mail, tirer sur nous lui poster et puis monsieur finit par tomber. Comment dire, frère? Monsieur, peut-être pas, s'il vient en Haïti, n'est-ce pas qu'il tape. Yep. Je ne sais pas. Moi, passé en deux besoins, acheter $400 américains. En fait, avec chèque, moi, j'étais obligé de gagner $3,600 ici encore. Cela implique que je n'ai pas même touché $350 américains chaque mois. Et ceci, c'est pas vous-même, non? Les commissaires du gouvernement général. Les malades, on n'est qui des amis, qui sont bandits, qui sont assassins. S'ils d'accord déposer les amis, non, je vais pas arrêter. Mais s'ils pas d'accord déposer les amis, non, ils vont tomber. Oui, exactement. Et si bandi a accepté de déposer les amis, il n'a pas arrêté même Jacques, tout le monde. Mais s'il a fait gros point, eh bien, c'est normal pour le tomber. Parce que c'est dans ça que nous arrivons là, mesdames, messieurs, je dis à là. Et bandi pas qu'à marcher sous le monde. Et puis, commissaire, bien parlé. Et nous-mêmes, je nous dis, nous pas parler comme si nous n'en parlons en pile dans le dossier, monsieur comprenne, et techniquement, il y a une série de monde. Parce que, non pays sérieux, façon que les policiers attaquent, éliminent les bandits. Mais, comme ça, quand on résume tout le bagaille, si les bandits entrent dans une zone, on fait kidnapping, on fait serrer des vieux bases, ils demandent de déposer les armes, on ne parle pas, eh bien, il faut que les policiers défendent la tête. C'est normal, oui, c'est normal. Si les policiers ne défendent pas la tête, c'est le cap tombé. On ne peut pas boire ça. Et je pense que c'est clair. Et oui, on va avancer, et là, non. Nous apprenons quand même qu'on a un accident qui a à peine fait là, il faut nous parler sur ça quand même. Voilà, c'est ça, et pendant qu'on a parlé là, nous apprenons qu'on a un accident, et ça n'a pas fait trop longtemps. Et on nous prend un dossier accident ça, et malheureusement, nous avons eu plusieurs blessés, et frère pas. Eh bien, oui, Jimmy, nous avons poussé l'information. Yo, et incident tragique sur la route nationale numéro 3 au niveau de Canaan, mais à proximité de Mon-Cabrit. Pour que gagnon et bus qui t'a sorti dans le département centre et mais qui t'a prendre dans Port-au-Prince et bien bandit qui a opéré sur route nationale et au niveau et Canaan arrivé tirer sur bus ça et tirer chauffeur là mais pendant que machine même il continue à faire des gars à frapper te gagne monde qui était justement et trouvé au côté de la route et mais machine bus a rentré sur yo et machine a été porté à 28 monde et bien monde ça gagne en pile là qui mourir puis pendant monde yo t'a tombé t'a mourir gagne qui blessé. Et sans compter ça toujours sous voie publique là, qui arrivait victime. Mais c'est bandit qui a opéré dans Canaan, nous connaissons tout le monde, nous connaissons la réalité. C'est même allié, si M. Izoyo, si M. Village de Yo, qui ont même mouté en Waltabli Bazio, et qui a opéré. Donc, en pile monde souhaité qu'il ait la police a finalement joué un bout de M. Izoyo. Bien que nous, souvent la police a intervenu, Dimitri, souvent la police intervenu, mais c'est un mode d'opération, un mode opératoire. Les Timagali paraît, ils font gens et ils ont un cacao. Après, chaque finale, ils tournent. C'est comme ça, c'est comme ça, mode opératoire. Mais
et nous est là côté que et ben dans la nuit lundi pour l'ouvrir et mardi matin là et ben côté que dames qui passe sur route là puis passer yo vingtaine monde ta censé victime de accident là la rappeler qui jeune origine côté que bandit tire chauffeur là et ben machine même continue qui t'a toute vitesse t'a courir et elle continuer à faire paquet de gars donc c'est ça qui passe au niveau au niveau et Canaan en un moment n'a pas les là et ben il y a un qui à peine rivé dim nous va reprendre dossier ça pour avec l'autre détail mais avant ça en entendant le commissaire mesdames et messieurs excusez-moi bon côté ancien sénateur Richer qui lance écrit ça c'est important très très important nous va pour et cet appel que je lance à ces gens là pour leur dire que l'heure est venue le moment est arrivé nous pas capable descendre plus bas encore. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, question les plus graves. Les plus graves, ça le plus grave là, c'est que faut qu'Haïti sorti dans sa lia. Et pour sortir dans sa lia, c'est pas avec des petits mesdames. C'est pas avec mesdames pour le sortir. C'est avec des hommes et des femmes qui prennent conscience que nous avons un État et un peuple à sauver. Sincèrement, comme disait le professeur Maniga, il manque de sincérité chez le peuple haïtien aujourd'hui. Nous devons faire preuve de sincérité. C'est pas robando, hein, Albertine? Honnêteté, d'amour envers notre pays et notre peuple. C'est ça qu'il faut faire. Alors moi, je veux dire que c'est vrai. En parlant comme ça, vous dites que faut que son miracle pour la fête, mais Haïtien qui a fait miracle à lui-même. Le président Jovenel a été assassiné. Ça fait un an et demi. Et la situation s'est empirée. C'est-à-dire, il y a un creux, il y a un vide quelque part. Et c'est ça que nous devons chercher. Si nous aimons encore Haïti, si nous aimons encore le pays, si nous aimons encore notre peuple, il faut faire l'effort. Nous avons fait cette expérience pendant près d'une trentaine d'années là. Qui ça le bail? Un bon petit monde son papa, qui l'a gué. Monsieur, un petit monde doit être un petit monde dans l'autre bord. Des milliards de dollars ont été dépensés, soi-disant, au nom d'Haïti, qui ne m'a rapporté rien. Aujourd'hui, s'il y a moyen d'avoir un accord bilatéral avec un pays ami qui peut techniquement nous aider à résoudre ce problème, oui. Mais charrier des gens, une montée des sons dans le pays, qui va habiter en rien. Et pendant ce temps qu'on n'a pas vraiment des hommes et des femmes décidés à changer visage pays, parce que ça nous besoin aujourd'hui, c'est visage pays à nous besoin changer. Ça veut dire nous besoin que Haïtiens comprennent que pays c'est pour eux lier. C'est eux-mêmes qui pour gérer une façon pour toute petite yo vivre bien là-dedans. Donc, faut qu'il faut ça fait. Ça veut dire que, moi-même, je ne pense que son bagage qui a pour apporter pays à rien. Si l'ONU a débarqué, même j'en ai fait avec le ministre, le ministre, le ministre, je ne pense pas ça n'a pas pitié le pays à rien. Mais par contre, si Haïti, je veux dire, qui a aidé pas mal de nations dans le monde, d'abord à gagner leur indépendance. Si aujourd'hui, on est en difficulté, la mafia internationale nous met en difficulté. Donc il y a moyen de faire appel à un pays ami qui techniquement peut nous aider. Pas pour venir s'installer en Haïti et puis changer monde, soi-disant changer monde à gauche, changer monde à droite, qui va pas l'utile le pays en rien. C'est pour ça que je dis que les Haïtiens doivent d'abord se mettre ensemble. Les Haïtiens doivent d'abord comprendre que y a un pays pour nous sauver, y a un pays pour nous sauver là, y a un peuple pour nous accompagner et que faut suspendre, excusez l'expression, lancer. J'en ai fait là chaque jour. Nous n'allons chuter à nos hôtels et puis sortir tout, mais sortir de crise. Mais la crise, elle est profonde. Crise dans la matrice pays alliée. Ça veut dire que les Haïtiens ne sont
ne se sentent plus responsables. Ils ne sont pas patriotes. Les Haïtiens ne s'aiment plus. C'est ça que nous avons besoin de mettre sur pied aujourd'hui.